qui est venu participer à cette cérémonie, une religieuse française qui a été canonisée. Chère sœur de l'Immaculée Conception de Chasse, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends sœurs provinciales des sœurs de l'Immaculée Conception de Chasse, chères sœurs, distingués invités en vos titres et qualités différents, chers frères et sœurs dans le Christ, chères sœurs thérésiennes qui en ces jours particulièrement pensez à notre chère Carmen Maria. La messe d'aujourd'hui, comme on l'a dit au début, c'est une occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour la canonisation des sœurs Jeanne et Émilie, qui a été canonisée par le Saint-Père au mois de mai. Et nous voulons nous associer à l'action de grâce des sœurs qu'elle a fondées dans le monde. Et nous allons prendre pour ça la même, les lectures de ce dimanche. Dans ces lectures, la première lecture donne le ton. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il reste longtemps et qu'il rejoigne au ciel. Dieu n'a pas créé la mort, mais cela se comprend en plein lorsque nous commençons à regarder le reste. Et en l'associant à la vie de la sœur Jeanne et Émilie, nous voyons qu'elle a travaillé pour que la vie, tout ce qui reste dans la vie, tout ce qui aide la vie et tout ce qui combat la précarité puisse être relever et aider à avancer dans la vie. Nous avons Saint Paul nous le dit aussi dans le deuxième texte. Saint Paul nous dit que nous devons dans notre vie partager. Et partager parce que nous avons reçu en abondance. Nous avons reçu du Seigneur beaucoup de biens et c'est pour cela que nous devons partager avec les autres.
mais elle n'avait pas pu guérir. Et dans la tradition juive, cette femme était une condamnée pratiquement. Elle était condamnée parce qu'elle était absolument exclue de la communauté des gens. Elle était exclue de la communauté religieuse, elle était exclue de la communauté du culte, elle était exclue de la société. Cela veut dire que tant qu'elle n'était pas guérie, elle restait toujours impure. Elle était impure et exclue de la communauté. Aussi, cette femme a-t-elle pensé dans sa foi à toucher le Seigneur Jésus, à toucher son vêtement pour que ce vêtement au moins puisse le guérir. Et effectivement, elle est guérie. Le Seigneur se rend compte qu'une femme s'est sortie de lui et demande qui a touché mon vêtement. Les disciples lui disent, Seigneur, vous voyez que la foule est en train de se précipiter sur nous et vous demandez qui a touché mon vêtement. Et la femme vient se jeter devant le Seigneur et confesse ce qu'elle a fait et l'état dans lequel elle est. Le Seigneur lui dit, va, il la touche, il lui dit, va, ta foi t'a guéri. Elle avait la foi, c'est pour cela qu'elle est guérie, que le Seigneur l'a guérie. Et le Seigneur la relève, cette femme désormais est admise dans la communauté de foi et elle est admise aussi dans la communauté de religieux et dans la société. Le Seigneur continue, nous voyons donc une personne qui quitte la qualité, la condition de précarité pour passer à la vie normale, parce que le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur continue, il passe un peu plus loin, il y a Jaïr, le chef de la synagogue qui vient à lui, et il dit, ma fille est à la dernière extrémité, je vous en prie Seigneur, venez la guérir. Le Seigneur le suit. Il prend Pierre, Jean et Jacques
Seigneur,